lumière de Noël s'allume doucement. Et pourtant, dans notre pays, nous connaissons des difficultés et, dans bien des pays du monde, des souffrances plus vives encore. Mais voilà, les lumières de Noël s'allument, car notre cœur bouge, tandis que nous préparons les rencontres familiales de cette fin d'année. Même ceux qui travailleront dur ces jours-ci, pour notre santé, pour notre sécurité, et ceux qui ouvriront le commerce, ou aussi ceux qui prépareront l'église, eh bien eux aussi, ils allument les lumières de Noël dans la bienveillance et pour le service. La lumière de Noël pourrait-elle alors écraser ceux qui cherchent les moyens de vivre ou même des raisons de vivre? Est-ce que la lumière de Noël pourrait faire de l'ombre à ceux qui n'ont plus à qui parler? En regardant les crèches du monde, nous comprenons que la joie de la nativité est pour tous. Elle ne vient pas supprimer les ombres, l'obscurité de nos vies, mais elle vient éclairer nos fragilités. Pourquoi? Parce que le grand amour de Dieu est offert dans un tout petit, Jésus, fils de Marie, fils du Très-Haut, mais très bas, tout petit, juste à la hauteur des yeux émerveillés des pauvres bergers de Bethléem. Alors pour que la joie de Noël ne soit pas passagère, pour que la lumière ne s'éteigne pas, nous avons besoin de nous parler. Nous avons besoin de nous rencontrer. Nous avons besoin d'affection, de bienveillance et d'amour. Nous avons besoin de confiance. C'est impossible pour les forts. C'est difficile, impossible pour les violents ou les tout-puissants. Mais c'est possible si nous croyons que l'avenir se reçoit dans nos incertitudes et dans nos fragilités. Par la force de la rencontre, par la force de toutes nos rencontres, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous responsables du dialogue. Ne laissons pas s'éteindre la douce lumière de Noël. Joyeux Noël !